ici Rich Lulius pour un nouvel épisode de Rome de Total War, un Border Edition avec les mœurs communs et les mœurs communs. Je venais de récupérer Flavio, mais donc j'avais la Magna Germania. Alors en passant, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ok, ça va, tout le monde va bien. Ok, donc on venait de récupérer Magna Germania et on peut donc faire une edit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme edit? On va déjà commencer par ça. L'ordre public. Ça va remonter, là c'est pas un problème. Ici ça commence à stabiliser. Donc je peins du jeu, je vais peut-être pas le faire. Je vais augmenter par contre notre entrée d'argent, donc le taux d'imposition. Jusqu'à ce bâtiment commerciaux. Ou le stimulation de commerce. Migration, croissance par tour, coût de recrutement des unités. Je vais peut-être juste migration, j'ai jamais vu ça. Faire collecte du tribut pendant quelques tours et puis on va changer ça après histoire de se faire un peu de thunes. Ici c'est l'armée qui reste des frisons, donc ils sont bloqués pour un tour, mais ils vont sûrement engager des mercenaires, donc il faudra essayer de les empoisonner une fois et puis les tuer avec mon armée ici. Ce que je vais faire aussi là maintenant dans l'immédiat vu que l'ordre public est plutôt cool, je vais échanger. Alors je vais faire des nouvelles unités. J'ai pas trop d'argent. Alors eux je vais en mettre à la place de ces gars-là. Parce que eux, j'ai regardé les stats, je me suis renseigné, ils sont quand même pas mal. Ils sont surtout mieux que les frères de sang. Donc je pense que je vais carrément remplacer les deux frères de sang avec les guerriers loups. Et remplacer une unité de frères de lance avec le mur de lance pour voir à quoi qu'est-ce qu'ils valent. J'ai jamais vu ça en action ces gars-là, donc on va voir, on va remplacer ça. Et donc eux ils coûtent combien? 600. Si je démobilise ce Gugus là, je vais pouvoir engager, surtout que. Il se reconstitue pendant 3000 ans, le connard. Et on prend cash hein, comme ça, et on va le tester sur ces connards tout à l'heure. Ça pourrait être bien. Les constructions, j'avais déjà fait ce qu'il fallait. Je vais détruire cet enclos à cheval, parce que maintenant j'en ai un nouveau, une écurie carrément. Que d'ailleurs, je vais devoir engager aussi une unité de cavalier de la chasse à la place de je sais pas quoi. Je crois que je vais devoir enlever une unité de lancier ici. De lancier là, pardon. Ouais, je vais faire ça après. Deux unités de lanciers en moins, il faudra faire après. Ok, et donc ici j'ai de nouveaux voisins, j'ai les bordels là, les Icènes. Qui sont quoi? Ils sont celtes les Icènes. Je vais faire d'accord commerciaux avec eux. Non, je peux pas. Bon, déjà je vais demander si je veux faire de la course commerciale avec les Belges. Non, ils veulent pas. Ils préfèrent bouffer des gaufres et des frites. Les Ruges, maintenant qu'on est un peu agrandi, ils veulent pas non plus. C'est dingue, il n'y a personne qui veut faire du commerce avec nous. Pourtant, on a un port là maintenant. On a un port. Même si je vais pas beaucoup l'utiliser, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vois pas ce qu'on ferait en mer. Enfin, pour l'instant en tout cas. Et donc voilà, bah, apparemment tout se passe bien à part ça. Ici, je vais placer mon armée. Les quads avaient repris Calagurum, machin. Donc, prochaine cible, ce sera Virunum. Déclarer la guerre aux Ruges quand je me serai débarrassé de ces connards ici. On ira mater les Ruges. J'aimerais bien que j'aurais démobilisé ce mec parce qu'au fait il est très faible du cul. Je sais pas, on va passer le tour déjà pour que l'argent revienne et voir un peu ce qu'ils vont faire eux. Ils peuvent pas faire grand chose, de toute façon ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Ici ça monte, c'est bien, c'est cool. Du nom des cotins, encore deux tours jusqu'à ce que le temple soit terminé. Dans cette région, il faudra peut-être faire un temple incessamment sous peu. En tout cas, diplomatiquement, c'est un échec total. Personne ne nous aime spécialement. Et on peut pas faire du commerce. Ah oui. Donc je referai des vidéos un peu plus souvent là maintenant. Donc je vais essayer de me libérer. Le système me déclare la guerre comme ça, sans raison. Sans raison. Pourquoi je sais pas, en fait, parce qu'ils ont même pas récupéré même toute la Britannia. Il pourrait très bien, non, il me déclare carrément la guerre. Bon, mais je vais devoir encore laisser une armée à Flavium du coup, putain de merde. Comment je vais faire ça maintenant? Est-ce que ils vont sûrement débarquer de là? Les Icènes quoi. Faction qui sert à rien. Alors, contre totalement une province directement par le soir, je remplis mon objectif. Maintenir 40 unités de champion. Recruter l'agent champion. Ouais, je voulais d'ailleurs en recruter un.
Déjà, on gagne un peu plus d'argent. Ouais. Alors, ils ont pas engagé des troupes. Je vais les affaiblir encore un tout petit peu. Et je vais peut-être pas encore engager mais les loups là. Je vais, il faut que je me débarrasse d'abord d'eux. Profiter qu'ils sont faibles là. Et les Issen, c'est bien que j'ai une petite vue avec. Tu sais, ils pourraient déclarer la guerre ici, tu vois, aux Belges. Enfin, vous voyez. Mais non, ils me déclarent la guerre à moi. C'est parce que c'est des Celtes, les autres, je sais pas. C'est quoi le rapport de force avec ces Gugus là? Ouais. L'IA dit qu'ils sont plus forts que moi. À savoir, hein, parce que là, j'ai déjà quand même récupéré pas mal de territoire. Cette armée-ci devra se. Il faut que je développe cette armée au plus vite. Alors c'est très bien maintenant que j'ai ces gars-là. Comme ça m'évitera d'engager ces louloutes ici. Donc ce qu'on va faire ici, on va directement sur une cavalerie de chasse, un guerrier loup. Et un mur de lance pour voir ce qu'il valent. Et un frondeur. Un peu de tout comme ça. Peut-être plus tard celui-là. Et je vais placer cette armée à Flevium pour protéger. Parce que celle-ci j'en ai besoin pour aller vers l'est. Et voilà, ici donc je peux... Ah, l'artisan du bois. Ça veut dire que dans 3 tours, on pourra faire des balistes. Donc, je sais pas si les Issen imaginent ce qu'ils sont en train de faire, mais s'ils veulent se ramener, ça va pas être joli à avoir pour leur tronche. Hein. J'ai envie de le dire tout de suite. Hein. Voilà, ça va être du gâteau. On va dégommer ce qui reste. En embuscade en plus. Ça va même pas nécessaire de le jouer, ça. Les gars, ils ont rien compris. Voilà, déjà on se débarrasse de cette faction là. Bon, il leur reste encore une flotte, hein, mais ça c'est rien. Je vais prendre un peu d'esclaves, histoire de monter un peu l'économie. Esclavagisme. L'esclavagisme. Je sais pas comment ils vont attaquer les Issen, mais je préfère laisser cette armée là en attendant que celle-ci se constitue. En attendant, on va essayer de faire des constructions un peu économiques. Celle-là, je vais la détruire. Ah, ben non, je vais la convertir, pardon. L'enclos à bétail, c'est ce que je voulais faire, merci bien. Et un tour ici, on est bon. 7, ça rebaisse un peu. Il fait pas son boulot. Ah bah oui, il fait pas son boulot, espèce de glandu. Il fait pas son taf, le mec. Ok, bah, encore 3 tours. Donc au moins pendant 3 tours, il faudra protéger cette région ici. Je vais me refoutre vite dans la ville. Ah merde, je peux pas. Et on va déjà démobiliser lui, c'est ça, oui, je démobilise, je veux plus ces gars-là, ils sont trop faibles en armure. Et puis on engagera alors un deuxième guerrier loup, et une unité de cave qu'on remplacera, et les lanciers aussi. Les lanciers lesquels je vais remplacer, lesquels ont le plus d'XP, donc ceux-là ils viennent à peine de, mais ils ont l'armure. Ça y est, j'aimerais pas enlever avec l'armure pour l'instant, donc je vais démobiliser celui-là, et on prendra un mur de lance. Et puis on essaiera de caser une cave là-dedans. Je sais pas comment je vais faire ça. Je vais peut-être enlever unité de jeune germain, mettre la cave, et puis encore enlever une unité de... Moi je les aime bien ici, les massues, elles sont puissantes. Peut-être encore enlever une unité de frères. Bah oui, parce que j'aurai besoin de place pour mettre la baliste. Ou une baliste, ça suffira bien. Je mets toujours 2 balistes, mais c'est toujours un peu trop. Hein. C'est pas déconner non plus. Encore un tour pour la recherche, c'est laquelle encore? Ah oui, la spécialisation de métier. C'est très bien. Quand est-ce que je peux développer mon truc ici? Grande défense, ok. Encore un tour, on aura le temple. Bon, on passe le tour. Ah, s'ils font chier les Issen maintenant. Putain, je viens à peine de finir l'autre guerre, qu'il y en a déjà une autre qui commence, quoi. Il faut que j'aille vers l'Est, moi j'ai pas le temps avec ces connards. Au pire, on peut prendre l'Angleterre aussi. Franchement... À qui ça va démanger, hein. Que ça soit bien fou, toi. Ce serait pas mal. Oui, oui. Alors. En tout cas, il bouge pas beaucoup les Issen pour l'instant. Recherche est terminée. Le Faon pâle. Plus 10 de gravitas. Le général et ses hommes étaient heureux que vous souhaitiez honorer leur mascotte adorée et les dieux satisfaits de voir leur cadeau apprécié. Ouais, c'était un truc qu'on avait fait à l'épisode précédent. Avec donc un event. Qu'est-ce qu'on a là? Oula, mais du coup ça améliore la richesse et en plus. Je peux pas le faire ici. Mais je suis déjà au niveau 3 ici. Coin, coin, coin. Ça c'est bien ça. En plus ça fait pas de malus ce temple, c'est dingue.
Ici, oui, ça coûte un peu cher. Je vais refaire une recherche là. J'en avais déjà 3 ici, 2 là. Je vais équilibrer un petit peu. Perte de l'usure. Pré-siège, bélier, perte de l'usure. Attaque en mêlée. Je crois qu'on va faire le totem tribal. On va se concentrer sur l'infanterie. Ici, il n'y a rien de spécial. Là, ça se construit. Là, il faut que j'engage du bonhomme. Mais je vais d'abord le faire ici. Déjà, ils vont aller dans la ville. Putain, l'ordre public, il baisse à mort. Je sais pas pourquoi. J'ai rien construit qui fait baisser l'ordre public. Si, ça, mais c'est pas encore fini, quoi. Aucune idée. Ah oui, ça fait baisser l'ordre public de stockage. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Misère. Ça rend les gens misérables qu'on peut stocker de la bouffe. Je veux dire, à un moment donné, il faudrait un peu vérifier, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de misérable à stocker de la bouffe? Tout le monde est content, normalement. Donc un mur comme ça et un celui-là, voilà. Et là, on est bon. Et là, il manquera plus qu'une baliste et une cave. La cave que je vais prendre maintenant, je pense. Qu'est-ce que je peux enlever alors? Qu'est-ce qui me coûte plus cher en entretien en même temps? Il coûte pas cher du tout à l'entretien, hein, ces gars-là. Mais vu que j'ai ces mecs-là maintenant, je vais quand même me débarrasser d'au moins de cette unité-ci pour prendre la cave. Voilà. Et puis je vais voir après donc 4 comme ça. 4 lanciers, je prends celui-là aussi. 2 caves. 4 unités d'élite. Enfin, j'appelle ça des unités d'élite, mais c'est des unités un peu mieux, on va dire. Et bah, du coup, oui, j'ai trop de tireurs et un frondeur ici, donc je vais remplacer un tireur par un frondeur. Non, un tireur par un. La baliste, pardon. Je vais me concentrer sur plus les tirailleurs, les lanciers germaniques. Je crois qu'ils sont plus puissants que. C'est plus intéressant à la longue de prendre ces gars-là. C'est pas comme si c'était une faction hellénique ou quoi. Ou les Romains, ou les frondeurs sont plus puissants. Non, pas les Romains, les Grecs et les Égyptiens. Donc c'est très différent comme gameplay. Et je suis content parce que ça change un peu de ma campagne que j'avais fait avec Suève. Donc ils ont vraiment bien. Remis au goût du jour, là on a la majorité politique, c'est bien. Donc on va passer le tour, j'aimerais bien voir ce qu'ils font les Icènes, et puis on va switcher l'armée et on va prendre les Rugus. Peut-être pas cet épisode-ci, hein, sinon c'est un peu long. Ici j'avais pas fait gaffe pour l'ordre public, quoi, ça remonte. Ouais, je laisse cette armée-là, elle est très bien comme ça. Puis je peux pas engager d'autres trucs de toute façon. Donc voilà, mon spy, j'aurais dû le bouger peut-être, non. Pour l'instant, il me sert pas à grand chose. Prochain tour, je crois qu'on va engager un champion. Un champion, parce qu'on n'en avait pas encore. On va le foutre dans notre armée principale. Ou dans l'autre. Histoire qu'il entraîne un peu les troupes. Je pense qu'on va plutôt l'envoyer dans l'autre parce que. Elle est pas encore entraînée l'autre. Les Icènes sont déjà passés, ouais. Non. Je pense s'ils avaient fait quelque chose, je l'aurais vu. Alors, trait obtenu, blablabla. Populace rassurée, c'est bien. Entourage grandit, autorité. Ça, c'est quoi? Taux de recherche, faction. Non, non. On mérite d'attendre, c'est très bien le taux de recherche. Par contre, on gagne pas beaucoup d'argent. Hein. Avec cette histoire de collecte d'impôts là. C'est quoi le bordel, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce trabil? Alors, oula. Il est temps qu'on récupère une région là parce que. Les gens ils font pas la gueule parce qu'on est plus en guerre là. Ça va être bizarre ces barbares. Hein. Oui donc là on est reconstitué. Et on peut prendre une balise dans un tour. Alors il y a l'ordre public qui baisse parce qu'apparemment il y a une maladie là non? Ah non non c'est la construction. Diplomatiquement les Belges. Juste la version. Les Das, je m'entendais bien avec eux. Soyez le bienvenu, noble orateur. Peut-être un pacte de non-agression. Voilà, ça c'est bien. Vous il y a un accord commercial. Non, pas encore. En tout cas, un pacte je de non-agression, c'est déjà bien avec eux. Les Helvètes, non. Comme Germain, il reste fait plus que eux, au fait. Que je connais. Soyez ça. Les bienvenus, bien que mes ancêtres. Un pacte de non-agression, je vais sûrement pas en faire un parce que je vais bientôt vous attaquer. Donc ça serait bien que je remonte mon armée jusqu'ici, j'engage les balistes et puis j'y vais. Oui, dans cette armée, je vais engager un héros. Un zéro.
Alors, chance blessé agent ennemi entraînement militaire plus 10 expériences, on va prendre ça. Il n'y a rien d'autre de plus intéressant. Par contre, ça coûte putain de cher à chaque fois, ces putains de d'agents là. Parce que moi j'aurais aimé engager une troupe ici. Je sais pas vraiment quoi. Ce serait bien, on va reprendre des frères de lance aussi, mais on va prendre des gars comme ça aussi. Ça c'est bien. On perd un peu de fric. Et au prochain tour, je développerai ce bâtiment-ci parce qu'il est quand même intéressant. 1900, ah j'aurais pas assez de thunes. Je sais pas pourquoi on gagne pas beaucoup d'argent. C'est très bizarre. Alors que j'ai quand même récupéré des colonies. Bon, ça va faire monter un petit peu. Mais ouais, c'est un peu étrange. J'ai quand même pas tant d'hommes que ça. À la limite, vu que l'ordre public se restabilise. Ben non, il se stabilise pas du tout. On dirait qu'il fout rien lui. Je vais démobiliser quelques bonhommes ici. Ceux qui coûtent le plus cher. Mais eux, ils sont bien, ils coûtent pas cher. C'est vraiment une bonne unité. Eux, ils sont nuls et ils coûtent cher. Donc on va les enlever. Voilà. Bah, c'est très bien, ça reste pareil. Comme ça, on gagne quand même un peu d'argent. Voilà, on va passer le tour. Hein. C'est un épisode un peu plus administratif. Un peu d'administration, ça fait pas de mal. Il y en a beaucoup plus qui aiment la carte jouée sur la carte de campagne que en combat en temps réel. J'ai remarqué ça. Chacun son truc. C'est pareil dans les commentaires, il y a beaucoup de commentaires sur la carte de campagne, mais dans les batailles, il n'y a personne qui m'a encore fait de remarques spéciales. Je pense que les batailles, c'est un peu à la one again, hein, chacun fait comme il le sent. Après, il y a des règles aussi à suivre. Et la carte de campagne, c'est un peu genre Civilization, quoi. Là, il faut suivre plus ou moins des règles. Et si tu fais de la merde, ben voilà, on te le dit. Et j'en suis très content d'ailleurs, parce que ça m'aide. À... Les ruges sont détruites, qu'est-ce que c'est que ce travail? Putain, les quads, quoi. C'est mes alliés, c'est bien, mais putain, mais j'ai envie de prendre ces régions, moi aussi. Quoique, ils sont, c'est quand même des bons alliés, ces gars-là. Ce que je pourrais faire, les Belges, ils sont états-clients aussi, des trucs. Je pourrais aller un peu à l'ouest, quoi. Taper un peu dans du celt. Parce que là, j'ai plus de frères ennemis. Donc là, il y a les Goths et tout ça, mais... C'est eux qui s'en occupent, s'ils ont un souci, on récupère les terres. Donc je pense que cette armée, je vais plutôt l'envoyer carrément vers Bruxelles. Bruxelles, c'est quoi comme... Vers Baveil, qui est l'actuel Amsterdam, si je ne m'abuse. On va aller fumer quelques... Non, il y a des enfants qui regardent, j'ai pas le droit de dire des bêtises. Et donc on va aller à Baveil. Mais je pense le problème, ouais, la culture en plus... les Belges, ils sont... Ah, c'est l'état client carrément de... Et oui, c'est pour ça que je peux pas les attaquer. Ça c'est qui cette... c'est Octave, ça, carrément. Oh, putain. Ouais, parce qu'il est à client et je serais en guerre alors quoi, avec Octavius, mes couilles. Bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre la... Hein? Non? Est-ce que vous en dites, vous? Prendre la Britannia complètement, parce que quand on aura pris ça, on pourra prendre ça sans problème. Prendre la Britannia, et puis après écraser les Celtes par le nord, comme ça, flac, 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 faire une sorte de débarquement. Comme Guillaume. Enfin, dans le sens inverse, quoi. Et puis, voilà, quoi. Et puis ici, à l'est, alors je laisse mes alliés comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'on est alliés, vraiment? Ce serait bien de faire une alliance. Salutations, mon ami. Alliance défensive, même pas. Une bière pour vous adoucir la gorge. Et ha! Une bière, ouais. Attendez 2 secondes. Alliance militaire. Est-ce qu'on a déjà un pacte de non... Je pense qu'on a déjà un pacte de non-agression, nous, tous les deux. Non, on est nobles amis. Quel honneur nous faites. Ah, ils veulent pas faire de pacte. Vous me semblez honnête, et je rejette votre offre avec hésitation. Ok, ben, je préférerais de toute façon... Alors, je vais de toute façon laisser une armée, là, en Germanie, parce que j'ai pas trop confiance en eux. J'ai pas envie qu'ils me cassent le dos, quoi. Attendez, je suis en train de bouffer mon goûter. Le mec est en train de bouffer, quoi. Alors... Changement de plan là. À cause de ces connards de... Enfin. Je vais laisser cette armée et les sangliers enragés à Tulfurdum pour l'instant. J'ai pas encore assez de thunes pour faire la construction ici, on le fera plus tard. Je peux prendre des. Voilà, maintenant je peux prendre des machines. Des machine guns. Là, que je vais d'ailleurs prendre incessamment sous peu. Je vais enlever une unité de. À eux, j'en ai besoin, c'est quand même un gros pilier de l'armée, ces unités de tir. Les masses, j'en ai beaucoup.
coup, je vais plutôt enlever ce qui coûte cher à l'entretien. Ne soyons pas cons. Fais pas le con, Philippe. Et on va prendre ça, comme ça. Et voilà. Là, on a une bonne armée. Et est-ce qu'on tente d'aller à Londres? Camulundunum. C'est un mélange entre Camelot et Londres. Sleaford. Ça s'appelle déjà Ford à l'époque. C'est marrant, c'est des noms déjà très, très anglophones, très anglo-saxons. Et pourtant, c'est pas encore des saxons. Hein. Bonhomme. Parce que là, c'est l'état client, je peux pas les attaquer comme ça. Mais est-ce que c'est sûr de laisser une armée comme ça, là? Ici, il faut que je développe un peu. Il faudra que je fasse un truc militaire ici, parce que les frontières avec Octave, c'est pas ça. Il faut que ça puisse protéger. Et là, je vais développer une grande armée qui protégera alors ces frontières-là. Plus à celle avec Doctave au cas où. Et avec cette armée-ci, ben, je crois qu'on va essayer d'aller en Britannia. Ce serait bien de prendre directement leur grande ville. Je vais envoyer mon agent pour voir ce qu'il branle. Histoire de... Putain, il doit se taper tout ce tour pour aller en mer, quoi. Tu peux pas juste te mettre là dans la rivière, quoi. Espèce de gland du cul, quoi. Alors, hop, tac, c'est bien. Débarquement dingo lui. Allez, on va l'envoyer, on va voir ce qui se passe. On a encore un peu le temps. Là j'aurai engagé des troupes. J'aimerais bien au prochain tour quand même faire une construction comme celle du temple là, comme je voulais faire. Parce que le reste tout a l'air plutôt bien. Là j'ai déjà au niveau 2. Ici, ouais, ici il faut que je développe ça alors. Il faut que je développe. Ah c'est chiant qu'ils aient Budorkis quand même. Les quads. Combien de tours encore notre. Parce qu'on est plus ou moins à force égale. Asseyez-vous, mon ami. C'est un peu un couteau dans Buvons le dos. Du bon vin jusqu'à ce que nous ne puissions plus parler. La guerre a traité un peu de temps après avoir rompu et considéré comme un acte de trahison et condamné par les factions. Déclarer un ayant des traités ou peu de temps après avoir rompu. Faut attendre encore un petit peu, mais il me dit pas le nombre de tours, c'est bizarre. Parce que sinon on prend Budorgis. Hein. Plus puisque c'est mes alliés commerciaux, je vois leur ville. Et Budorgis avec cette armée là je la prends sans problème là. Je crois que je vais plutôt ouais, je vais faire une petite trahison là. Je sais que c'est un peu tôt pour commencer les trahisons. Je l'avoue. Mais il me faut quand même un truc solide en Germanie. Je peux pas me permettre d'aller me balader ici, parce que si ça chauffe ici j'aurai qu'une seule armée, c'est game over. Donc l'agent faudra un deuxième agent, tu reviens, et cette armée ci je vais l'envoyer à Budorkis, et celle là elle fera alors la garnison à Flevium, histoire d'empêcher ces connards de d'Isséniens là de foutre la merde. Allez, on passe le tour et on va se construire ce temple. Je pense que je vais faire ça, je vais faire une petite trahison. Et comme ça, les peuples germaniques de l'Est, encore, ils ont peur de moi parce que je vais m'expandre comme il faut. Je suis désolé pour les quads, hein, mais bon, en même temps, ils veulent pas faire d'alliance. Donc, j'ai pas confiance en eux. J'ai pas confiance. Puis c'est des frères aussi, je me suis fait attaquer par tous mes frères jusqu'à présent. J'ai pas confiance. Puis il faut vraiment qu'on se fasse un truc solide, quoi. J'imagine c'est ce que vous allez dire dans les commentaires, hein. Vous allez me dire de prendre la Germanie et vous avez bien raison. Parce que moi j'ai tendance à aller m'emporter ailleurs, oui. Moi j'ai des campagnes médiévales 2 où avec avec l'Angleterre j'avais une colonie à Jérusalem, quoi. Je veux dire, je me baladais partout, en même temps les Anglais ils avaient des colonies. Parce que non, j'avais fait une campagne une fois. Ah non, c'est avec l'Irlande, oui, c'est avec l'Irlande, j'avais pris le Maroc, quoi. Le mec j'ai un peu fou déjà. Bon, j'avoue, c'était l'époque où je faisais les codes dans les Total War. Ouais, j'aimais bien faire des codes, moi. Mais je le fais plus maintenant. Mais j'étais jeune. Hein. J'étais jeune et con, et puis j'avais surtout la flemme. Je voulais tout défoncer, alors je faisais les codes pour avoir plein de fric. Ils sont en guerre contre qui, les quads, là? Peut-être qu'ils sont occupés. Ils sont en guerre contre les Buries. Les Buries, ça doit être ces gars-là, parce que ici, ils ont l'air bien. Ils ont pas d'alliés, je crois qu'il faut se dépêcher là pour niquer leur ville. Alors là, ils sont dans cette ville là. Celle-là est très inaccessible, cette ville. Virun est un peu plus accessible. Mais ils pourraient venir de Budorgis, donc
Je vais carrément aller prendre Budorgis, puis en plus c'est la capitale de ma région qui est censée m'appartenir. Je pense qu'avant la fin de cette vidéo, on sera en guerre avec nos alliés, les quads, les 4 roues motrices. Je sais même pas si un quad a 4 roues motrices, bah si c'est... Si, parce que quand on voit comme il roule. Alors ici, ah oula, je peux faire les villages là. Ça serait bien de faire le fabricant de boucliers. Armure niveau 2, bouclier niveau 2. Armure niveau 1, arme niveau 2. Je vais faire le village de bouclier, je le ferai, mais c'est cher. Et puis il faudra que je fasse repasser mon armée par là, et cette région est tellement inaccessible. Elle est très pénible à passer, cette région. Je sais pas comment je vais faire. Bah déjà, on va envoyer nos hommes là en bas. Et c'est Gugus ici, il y a moins 3, putain ça baisse ici. Je vais continuer à engager des troupes là. Donc encore une unité de lanciers par exemple. Nous avons besoin des bons combattants. Et puis ils vont aller à Flevium. Donc apparemment ils se rebougent pas encore les autres. Ouais, donc je vais envoyer mon agent ici pour qu'il commence à faire des dégâts. Et je pense qu'on va prendre Budorgis au prochain épisode. Malgré cette alliance. Donc cette alliance qui n'y est pas d'ailleurs. Donc là on se fait 120 en richesse, plus 2 influence culturelle et tout bordel. Donc on se fait ça, c'est le bon plan. Mon petit coco. Et puis on passe le tour. On passe le tour. Ici ça sera l'armée de garnison de Flevium. Quoique je pourrais laisser à Tulfurdum pour protéger. On sait jamais ce qu'ils vont faire les quads. Et puis je suis assez rapidement là-haut hein, donc quitte à ce que les Issen prennent Flevium, je récupérerai direct après. Ce n'est pas un problème. Donc je vais sauvegarder un coup. Parce que c'est important de sauvegarder. C'est bon pour la santé. Voilà, reprendre et on y va. Alors. J'ai gagné des rangs là. Les marquements at the gates. Quand on aura récupéré la Suebia et tout ça, on sera un peu plus confortable, on veut dire. Géographiquement, on sera bien quoi, parce qu'on n'aura pas d'ennemis de tous les côtés, comme on avait au début, qui était assez pénible, je dois avouer. J'ai pas mal galéré. Bon, ça va, il n'y a pas trop de soucis. Non. Donc, hop, on envoie à Bergium. L'armée est au complet. Le problème c'est que ces connards de quad se sont mis dans leur putain de truc. À la limite je fais le salaud, je demande un droit de passage. Et je me poste à côté de Kalunguru mais je la prends. C'est quand même salaud ça. Ou je me mets à la frontière de Kalunguru mais je prends Kalunguru. Et puis après je descends sur Budorgis. Kalunguru qui est la capitale de Suebia. Ils ont un Coristros, hein, faut pas oublier ça. Istros qui est quand même très loin dans le trou du cul du monde. Je vais tenter. Salut à vous, je suis sûr que vous venez porter. Pas un accès militaire, un accord commercial. Ah, c'est modéré. Votre marchandise, non. Nous avons peu à gagner en commerce. Ouais, mais vous êtes pas loin d'accepter. Est-ce que je peux vous donner un peu de fric? Poser un peinement 150 de 300. Ah voilà. J'accepte. Ah ben là on commence à gagner déjà un peu plus de fric. On va essayer de faire une petite alliance avec les. Plus par la suite une alliance avec la DAS, ça serait pas mal. Pour faire pression sur les Romains. Franchement avec eux ça serait le bon plan. Parce qu'ils sont quand même pas mal forts. Ici il a gagné un rang, le petit Calupin. On va le faire rajouter un peu de ruse. Alors, ruse. Pour récupérer des blessures. Il va falloir mettre encore plus de ruse, histoire de bien la protéger. Mon agence. Bah, je préfère qu'il aille là, et puis je vais peut-être poster mon armée ici. Je vais la laisser là encore un tour. Et je vais la placer à la frontière. Comme ça, on va voir un peu si on prend cette ville-là d'abord. Et puis on verra. Moi j'ai juste peur qu'après ils viennent direct vers Bergium. Mais à ce moment là je descends cette armée. Si. Pour filer vers Bergium. Là j'économise l'argent pour pouvoir m'acheter ce truc là. Si j'ai pas la tech.
je regarde un peu tous ces cochonneries là. Je vais faire pas mal de trucs par la suite qui vont rapporter pas mal de fric. Je vais engager une unité, une seule alors, même si je dis que j'allais économiser du fric. Et les guerriers nus. Est-ce que je les prends, les guerriers nus? 3 unités, non, je reprends un comme ça, il coûte pas cher à l'entretien. Et on passe le tour. Ça dépend, s'ils bougent de Budorgis, j'attaque Budorgis. S'ils y restent pendant des centaines d'années, je prends Kalankorum, qui me semble que c'est la capitale des Suèves. Il me semble. Dans la campagne... la grande campagne, c'est la capitale des Suèves qui s'appelle Pat comme ça d'ailleurs, qui a changé de nom entre temps. Ça doit être un autre endroit, ils ont placé la ville, je sais pas. Il me semble que c'est à cet endroit là, plus ou moins. Commerce étranger, ça c'est bien ça. Alors plus 10 de richesse, mais bon, quand je regarde là, les incomes, ça a baissé. Alors me dis pas parce que j'ai engagé ça, parce que ça coûte rien ça. Ah ben non, c'est un event, ok. Un commerçant venu des routes lointaines, elle m'a jamais vu. Tes recherches en économie rendent cette province plus prospère. Le laisser commercer, faire des se faire réduire, combiner votre pur sang avec ses impressionnants étalons améliorés et les chevaux. Ah, c'est les étalons. Qu'est-ce qu'il me dit? Les recherches en économie rendent cette province plus prospère. Distribuer à l'armée. Vous ne devrez pas être caché, mais un guerrier devrait le récupérer. Tes recherches économiques pourraient être province plus prospère. Faire se reproduire, laisser commercer. Faire se reproduire. Ce que j'imagine, c'est chaque qui veut le dire par recherche. C'est toujours des petits indices hein, quand on lit ce qui est écrit. Alors, ils sont encore à Budorgis. On va alors voir ce qui se passe à... Oula, il y a une rivière là, ça c'est pénible. Mon travail est terminé. Ah, si je me mets là à la frontière, je vais pouvoir avancer, je pense. Qu'est-ce qu'ils ont comme bâtiment là? Ils ont de la merde. Ils ont de la merde, parce que Budorgis c'est un peu hardcore là. Si j'avais deux armées, je pourrais... Mais là c'est hardcore, j'aimerais que cette armée-ci bouge. Même si la mienne est beaucoup plus entraînée. Ouais. Ah, ici je peux augmenter la ferme bovine, mais je ne vais pas le faire parce que l'ordre public va trop baisser. Et pour l'instant l'argent ça va. C'est pas non plus la mort. Ici je peux augmenter ça, c'est aussi l'ordre public en moins, j'ai assez de bouffe, donc je vais faire le bouclier. Ceci, voilà. Et au pire... Ah mais non, je peux la mettre là. Combien de temps ça prend ce truc de bouclier là? À 3 tours quand même. Bah je laisse mon armée là et je pense que là... Ouais. Je pense qu'à l'épisode suivant on verra alors si on... Je vais quand même améliorer mes armes et mes boucliers avant. Et puis on va essayer de les avoir un peu avec l'agent ici. Les fatigués du cul. Et puis on verra ce qui se passe. Alors il s'est pas encore terminé, on joue encore quelques minutes. Hein. On va voir ça. Est-ce qu'on n'a pas plus l'habitude de faire des vidéos, on regarde tout le temps sur le timer. Et quand on fait des vidéos plus souvent, on a la notion du temps. Mais c'est pas grave, ça va revenir. Ouais, donc Budorgis direct, c'est du suicide. Alors on va vendre beaucoup de bol, quoi. J'ai quand même une baliste, oui. J'ai une baliste, c'est vrai. Mais... ce serait quand même un peu débile de perdre autant d'hommes. Et ils ont peut-être encore une armée qui traîne quelque part, donc c'est un peu débile. Chevaux venus d'ailleurs, commerce de chevaux. Oh, c'est bien ça. En plus, ils gagnent un niveau. Mes unités de cave gagnent un niveau ici, c'est ici. Ah, c'est là, regardez. Chevaux venus d'ailleurs. Ça me coûte quand même niveau 3. Oulala. Je pense que je vais passer par là parce que ça va les augmenter quand même. Des cheveux niveau 3. Alors. Harceler, zèle, c'est champion. Tac. Ah, j'ai un appel, excusez-moi deux secondes. Heureux. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, alors, putain, je me rappelle plus. Les chevaux, on va les améliorer plus tard. J'ai pas envie de mettre mon fric là-dedans maintenant. Et oui, donc je vais attendre encore deux tours. Je vais quand même améliorer mes armures avant d'attaquer les quads pour avoir un avantage. Un avantage sûr et certain. Alors ici, dans cette ville, j'ai regardé ce qu'ils avaient. Je regarde un peu les bâtiments qu'ils ont. Hein. Ça m'intéresse. Ils sont en train de l'agrandir d'ailleurs, c'est sympa. Alors, ouais, ok, donc ils sont même pas entraînés.
Ça, c'est vraiment de la merde à chier, ça. Ils ont une baliste. C'est bien. Heureusement que l'IA sait pas s'en servir. Ils ont des jeunes germains. Et ils ont une tirailleur, ils ont pris un mercenaire. Je vois pas trop l'intérêt. Là, ils ont les unités. Bon, ils ont les masses. Ils ont spammé les masses. C'est une bonne unité, mais il faut pas avoir que ça, quoi. Bon, moi, j'ai les loups, les guerriers loups. Voilà, je pense que eux sur un terrain, donc sans qu'ils soient derrière leur mur, je les mange comme du pâté pour chat. Je mange pas pâté pour chat, mais c'est... Je sais pas, c'est... Du pâté pour chat, c'est quand même... Ah, c'est haché, vous voyez, c'est facile à manger. C'est pour ça l'expression pâté pour chat. Parce que c'est facile à manger, ça veut dire que les mecs, ils vont être faciles à tuer. Voilà, ça c'est... C'est une expression qui n'existe pas, mais c'est, je trouvais ça très important maintenant d'en parler, vous voyez. Victa rectum... Rectum maxima tempo. Bon, ça veut absolument rien dire, mais dans le contexte, je trouve que c'est très intéressant d'en parler. Alors, les cavaliers, ici, n'ont rien. Ici, on bouge pas parce que je veux dans deux tours m'améliorer mes bocliers. Je vais déjà me placer là, comme ça, je gagne un tour. Je pourrais bouncer direct après. Et on va se placer à la frontière et puis on arrêtera la vidéo. Je pense qu'on va faire comme ça. Ici, alors, j'avais fait quoi moi? Ah, c'est déjà fini le truc là? Putain, ça allait vite là. J'ai eu un bonus. Un bonus. Alors ici, c'est fertilisation. Ça, c'est bien pour les fermes. Sinon, la sentier en bois. Pour construire des cabanes, je vois pas trop l'intérêt. Richesse provenant du commerce, de commerciaux. Oula. C'est bien ça. Calendrier celtique. Oula, ça, c'est très très bien. Fabricant de trucs. Mais je crois que je vais faire le bois sacré d'abord. Le bois sacré. Ouh, ah non, il m'a dit de faire un truc en construction, non? Où j'avais déjà zappé ce truc-là. Colonisé, Noreya. Ah, mais ça, ça sera pour plus tard. Frère de sang. Recherche technologie dans construction, c'est ça. C'est ça. J'ai combien de tours pour le faire? Encore 4 tours. Donc on va prendre un truc en construction qui nous prend 4 tours. Et c'est parfait, on prend 6 en hauteur. J'avais oublié de le faire, c'est un plus industrie en plus. Ça va être bien pour Kalibs. Hein. Et est-ce que tu continues à bosser toi? Oui, c'est bien parce que des fois il arrête de bosser, je sais pas pourquoi. Des fois il se dit ouais, bon j'arrête. Et est-ce que tu pourrais saboter un truc? Alors là, il y en a un enclos à chevaux encore. Putain, il faut que ça les Celtes. On pourrait. Ah, ils ont déjà l'artisan en bois niveau 2. Ah, ben non, c'est vrai, c'est le niveau 1. Je peux peut-être. Je vais dégommer leur truc à chevaux pour qu'ils, peut-être qu'ils évitent de faire de la cave. Ah, pour que c'est... Surtout pour la bouffe aussi. Là, je pense qu'ils vont commencer à me détester, mais c'est pas grave, on a le temps. Lui, il a augmenté de rang. Alors, le poison, c'est la vie, c'est la santé, mais je vais quand même lui augmenter la ruse. La ruse. Et ici, je vais rien faire parce que je voulais faire quoi encore? Je me rappelle plus. Mes chevaux, on les améliore plus tard. Mur de lance, qu'est-ce qui coûte plus cher? Non, je vais reprendre des lanciers 3 tac, unité de tir comme ça. Ah ouais, c'est vrai, je peux faire ces gars là maintenant. Pour une unité d'archer, je vais prendre, voilà, ça sera bien comme unité de tir. Et puis je prendrai une baliste aussi par la suite, pas maintenant parce que c'est un peu cher. Et je vais reprendre les bretteurs à bouclier rond. Voilà, comme ça on aura une bonne armée de garnison. Si surveiller ce que font les Isennes. Pas qu'ils s'excitent trop ces connards là aussi. Et puis, oh putain, on est déjà presque à 40 minutes. Oh mon dieu! Bon, on va améliorer les boucliers et puis on se retrouvera à l'épisode suivant. Pour prendre Kalakorum, je pense que je vais prendre Kalakorum. J'imagine pas que l'armée quad va bouger. Ça serait bien. Mais je sais pas, ils sont en guerre contre quelqu'un, mais ils ont pas l'air de trop bouger. Maintenir 40 unités au total, objectif bonus terminé. Ça, ça fait du bien, c'est de l'argent gratos. Contrôler 11 colonies, se dire tu vois pas bien des clés. Surplus de population. On a engagé les mecs. Par contre, on gagne pas de fric, ça c'est un peu dommage. Enfin, on en gagne pas plus quoi. Voilà, donc là je vais pouvoir améliorer et je vais pouvoir construire un truc en plus. Yeah! Alors, à Kalheim ou à Koreya? À Kalheim. Qu'est-ce qu'on peut faire à Kalheim? Alors, je voulais faire un truc militaire, parce qu'un bois sacré, senteur d'automne, on l'a déjà. Enclos, on a
Mine, c'est bien. Mais je vais peut-être le faire dans le nord, ça. Un puits, ouais, c'est pour qu'ils se lavent le cul, c'est pas très important. Maison artisanale, non, parce que j'ai déjà un truc, là. Logement des artisans. Voilà. Parce qu'il faut que je fasse des hommes ici, et si je dois passer par cette fucking rivière, ça va pas le faire. Donc, j'espère que mon caps lock ne bug pas. Donc c'est ça que je voulais. Moi, j'ai jamais fait ça, cette sélection, comme ça. Ah, ça marche bien. J'étais dans une vidéo de Cyrus avec Arménie. Il faisait comme ça. J'ai jamais pensé à faire ça pour améliorer mes unités. Ah, mais là, je le fais pas parce que c'est pas important. 800 balles. Allez. Hop, fais péter. Ah, mais c'est pas encore fini. Ah, bah oui, c'était pas encore stuffé. Ah, bah c'est bien, tiens. On a fait d'une pierre deux coups. Ah, bah j'attends encore un tour alors. Encore un tour ici. Je peux encore saboter. Sabotage, sabotage. Truc de stockage, je vais essayer de le saboter aussi. J'aimerais qu'il crève de faim. Je suis blessé, oh mon dieu. Pas grave, il va revenir très vite. Je crois qu'il a un bonus pour ça. Il est payé pour ça, ce connard. Et je pense que on passe un tour pour améliorer nos armures. Et c'est bon. Si je veux encore engager du bonhomme, je vais prendre la baliste. Je la prends, la voilà. Encore 4 unités de quoi que ce soit. De quoi que je sais pas. J'en ai rien à... Un guerrier, voilà, et le reste du fric on le garde. Et ici c'est quand qu'on peut construire un nouveau truc? Ah, bientôt on va pouvoir faire un truc industriel. Il y a quelqu'un qui a gagné un rang, c'est qui? Ah, c'est un hydrate. Il s'hydrate bien la peau. Là on peut pas le faire. Ruse plus un clan de manipuler, soyez marchand, besoin de richesse grâce à bâtiments commerciaux. Intrigue, on va faire ça parce que le mec il est plutôt dans cette zone là, on va dire. Et après on va pouvoir se préparer à une attaque sur les quads. Et puis ça sera bon pour aujourd'hui. En tout cas, ça fait plaisir de tourner des vidéos. Ça fait plaisir. Là, par où ça passe? Alors, blablabla, machin, il faut que je vois si les Isènes ne bougent pas dans la mer du Nord. Je sais même pas pourquoi ils m'ont déclaré la guerre, c'est pédé. Alors, bien évidemment, l'armée des magiciens d'Oz. Qu'est-ce que... Alors, l'armure, c'est bien pour l'armure, c'est ça? Bouclier, armure. Les unités de tir, je vais pas gaspiller du fric, même si ça sert un peu à quelque chose, hein, mais vu qu'elles sont tout le temps en arrière, je vais pas... Oula, 3000 pièces d'or. 3000 pièces d'or, peut-être pas la cave. Peut-être pas la cave pour l'instant. 2000. Peut-être pas ces gars-là pour l'instant. Le mec. Après, il restera plus qu'un gars. Non, c'est toutes les unités qui vont bien se battre là. Surtout tous ces gugus là. Là, je peux mettre un peu de fric dedans. Ah, là, ils sont bons. Les autres, tant pis. Hein. Ça me coûtait trop cher. Il retourne à Bergium. Mon agent sera bientôt de retour. Et je vais préparer une attaque sur Kalan Korum. Et voilà les amis, c'était Rachelius pour Emperor Edition de Rome Total War 2. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas de regarder les vidéos de Total War Studio. Et tout le reste et tout le reste. Ciao, ciao, c'était Rachelius. Oh, Marco. Comment? À la prochaine. Ciao, ciao.